Je m'appelle Mohamed et aujourd'hui, je vais à la découverte du métier de gardien d'immeuble. Allez, c'est parti. Gardien d'immeuble ? Déjà, on les voit jamais. Mais ils sont où ? Qu'est-ce qu'on peut bien découvrir d'intéressant ? Rester toute la journée dans sa loge à attendre que les locataires viennent se plaindre ? Bon, allez, faut pas se démotiver. Bonjour, Mohamed. Bon, ça va, il a l'air cool. Bonjour. Monsieur Joseph, le gardien de la résidence. Enchanté. Ça fait beaucoup de logements ici ? Ben, j'ai 3 sites et 100 de logements. D'accord. Je t'ai préparé ta veste, on y va ? Merci. Vous avez pas une autre couleur ? Non, c'est les couleurs du bailleur. Allez, on y va. Ok. Allez. Ah oui. C'est quoi exactement les missions d'un gardien ? L'entretien ménager, l'accueil des locataires, les états des lieux, la suivi des sociétés qui interviennent sur le secteur. C'est quoi un diag ? Un diag, c'est un diagnostic. Là, on vient de mapper pour la porte de parking qui est en panne. On va essayer de constater d'où vient la panne. Vous pouvez entrer. Bon, bah alors c'est assez tranquille comme boulot. Oh, pas toujours. Tu peux avoir parfois des locataires qui sont assez virulents, des problèmes de voisinage, le non-respect du règlement intérieur. Donc, c'est toi qui es garant de cela. Parfois, il faut y aller, mais t'es pas seul. Parce que c'est pas le rôle du gardien de régler ces problèmes-là. Là, la cabine est à niveau, donc on vérifie l'alarme. Oui, c'est Monsieur Joseph le gardien, c'est juste pour une vérif. Voilà, la télésurveillance a répondu, ta vérification est terminée. On a rendez-vous pour une visite de logement. C'est vrai, je peux la faire. Je vais d'abord te montrer comment on fait celui-là et tu feras les prochains. Oh, d'accord, okay. Ah, ben tiens, bonjour. 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 Madame. Enchantée. On est là pour la visite. On y va. Mais qu'est-ce que tu trouves comme point positif dans ton métier ? Il faut aimer le contact avec les gens. Selon les bailleurs, tu as le logement de fonction. C'est le côté social aussi, l'aide apportée aux clients locataires. Voilà, moi c'est ce qui m'a plu, moi. C'est ce côté contact avec les gens. D'ailleurs, on a quand même vu sur le Stade de France. Ouais. En fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais le métier de gardien d'immeuble. Bon bah voilà, j'ai fini ma journée de travail. Ce que j'ai particulièrement aimé là-dedans, c'est le côté relationnel. Il faut être à l'écoute des locataires. Il faut savoir aussi être réactif, hein, parce qu'il y a toujours des choses à faire, des problèmes à régler. Et c'est surtout aussi un travail très mobile. C'est-à-dire qu'on fait toujours des choses qui ne se ressemblent pas forcément, on bouge. Toujours des nouvelles choses à découvrir. Et donc voilà. Mais alors comment fait-on pour devenir gardien d'immeuble ? Pour devenir gardien d'immeuble, il faut posséder un diplôme spécifique. Les formations sont ouvertes aux demandeurs d'emploi et notamment à toute personne remplissant les conditions pour un emploi d'avenir. On peut également passer le concours de la fonction publique territoriale. Ce métier offre de nombreuses possibilités d'évolution professionnelle dans le gardiennage ou encore dans le secteur de l'entretien et de la maintenance. Bon voilà Mohamed, la journée est terminée. J'espère que ça t'a plu. Beaucoup, ça m'a plu. Merci. Ok, bonne chance, au revoir. Merci. Au revoir. Hey, Mohamed, la veste. Je me suis habitué, je peux pas la garder. Ouais, mais il faut la rendre. Bon, d'accord. Merci à toi. Merci. Bonne chance. Au revoir. Salut.